Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cartonnage. Aujourd'hui, voilà, on revient sur la commode. Il n'y a pas, il faut la continuer hein, si on veut qu'elle soit finie. Alors aujourd'hui, on va attaquer des arêtes. La protection des, enfin pas la protection, mais on va faire les arêtes de la commode. Donc je vous montre. Donc on va recouvrir toutes ces arêtes ici, voilà, tout ce qui arrête, voilà, on va les recouvrir avec de la cartonnette. Voilà, moi j'ai une grande cartonnette, là je l'ai coupée, hein. La plaque est beaucoup plus grande. Donc je vais recouvrir ça avec un tissu bien sûr, et le tissu, donc je vais utiliser le bleu un peu plus foncé, donc celui-ci, voilà, je vais utiliser celui-là pour tout recouvrir. Et après je verrai, suivant le temps que j'aurai mis déjà pour faire ça, si je continue, si je fais autre chose ou pas aujourd'hui. Donc voilà, on va déjà faire tout ça, ça va déjà prendre un petit peu de temps pour le faire hein. Le temps de tout couper, tout mesurer, tout coller, mettre le tissu, voilà, ça prend déjà pas mal de temps. Et ensuite je verrai si j'ai le temps aujourd'hui, enfin c'est pas, moi j'ai le temps personnellement mais c'est suivant la longueur de la vidéo. Suivant la longueur de la vidéo, si je vous fais aujourd'hui le tissu extérieur, voilà, donc ça on verra. Si je vois que la vidéo est trop longue, on le fera sur une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Alors on va attaquer, donc ces arêtes. Donc pour ça je vais vous basculer comme d'habitude pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà, allez, à tout de suite. Revoilà. Et j'étais vite, hein. Bip bip, la flèche. Bon, je suis énervée ce matin. Ouh. Allez, on va... Je vais vous dire pourquoi je suis énervée. Bon, je vais d'abord faire mes mesures et après je vous explique pourquoi je suis énervée. Bon, je vais d'abord poser ça, prendre ma réglette. Prendre un papier pour noter mes mesures et un crayon. Alors déjà je vais mesurer en bas, ah, si je mets pas la mine ça fonctionne pas, voilà. On va mesurer ici. J'essaie de prendre le maximum de mesures tout de suite. Alors là, ça me fait 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est 2 fois. Là, c'est un peu plus large. Voilà. Voilà. Ensuite, ici. Voilà, comme ça, moi, je suis tranquille. 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 4. L'épaisseur, Voilà, normalement, je pense que j'ai tout mesuré. Ah oui, les petites. Vous avez oublié les petites. Ah là là, je vous jure, il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud dans ma pièce. 9. Alors, 1, 2. Voilà. Normalement, j'ai bien tout mesuré. Donc, je vais mettre la commode de côté. Je vais la mettre par terre. Voilà. Allez, on va tout tracer. Et pendant ce temps-là, je vous raconte pourquoi je suis énervée. Ouais, ce matin, je suis allée à Lidl. Parce que bon, hier, je suis allée à Lidl pour m'acheter un nouveau tuyau d'arrosage. Parce que le mien n'est pas assez long. Comme ça, j'en mets 2 pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon jardin. Et il me manquait une pièce pour pouvoir raccorder les 2 tuyaux. Et cette pièce-là, il la vendait à Lidl, mais hier, j'ai pas pensé à l'acheter. J'ai oublié. Enfin, je ne savais pas qu'il me la fallait. Franchement, je pensais que tout était dans le kit. Et donc, ce matin, comme on avait du coup des courses à faire, on en a profité pour aller chercher cette pièce qui me manquait pour mon tuyau d'arrosage. Et je vais en caisse. Voilà, tout se passe bien. Il y avait un monsieur qui était derrière moi avec son caddie à bonne distance. Hein. Et puis, il laisse passer 2 jeunes. Bon, lui, il avait pas mal de choses dans son caddie. Il y a 2 jeunes qui lui demandent s'ils peuvent passer. Bon, ce monsieur, gentiment, les laisse passer. Et du coup, ils se retrouvent derrière moi, les 2 jeunes, chacun avec un pack de bière dans les mains. Mais vraiment des jeunes, hein, ils avaient quoi? Je suis pas sûre qu'ils avaient 18 ans, mais bon. D'ailleurs, ils sont même passés à la caisse, hein, quand même, avec leur pack de bière. Et il y a du fléchage, hein, par terre, comme dans tous les magasins, hein, vous le savez maintenant. Et ces 2 jeunes se collent à moi derrière. Mais alors, ce qui s'appelle se coller. Hein. Je les sentais presque sur moi. Donc, je me retourne gentiment. Et je leur fais remarquer qu'il faut garder ses distances. En leur montrant les stickers à terre. Et ces jeunes hommes commencent à souffler. Et puis... Bon, il se recule en soufflant et en me disant « Oh, ben, on n'a pas le coronavirus. Hein, » oui, je dis, c'est pas l'histoire de ne pas avoir le coronavirus. On prend ses distances, c'est tout. Mais moi, toujours, en parlant gentiment. Et eux, donc, ils se reculent. Et en reculant, ils se sont mis à faire semblant de tousser vers moi. J'avais envie de leur foutre une baffe, excusez-moi, je vais être mal polie, mais j'avais envie de leur foutre une baffe dans la gueule. Mais alors, je sais, c'est pas possible. Des petits cons pareils. De toute façon, qu'est-ce qu'il en sait s'il n'a pas le coronavirus, puisqu'on peut l'avoir sans symptômes. Oh, je vous jure, ça vous fait la journée, hein, ce truc. Alors c'est pour ça que je suis énervée aujourd'hui. Bon, la caissière en plus n'a rien dit, il n'y a personne qui a bougé, même le gars qui était derrière n'a rien dit non plus. De toute façon, quand c'est comme ça, personne ne bouge. Hein. C'est démerdez-vous, que vous soyez une femme ou pas, mais bon, moi je me laisse pas faire. Petit con ou pas petit con, je m'en fiche. on a des choses à respecter en ce moment, bah on les respecte, puis c'est tout. Donc, vous voyez, là, donc je fais mes traits. Donc ça, c'est un peu long parce que c'est des fines bandes que je vais faire. Et avec mes vieux yeux. Ah là là. Hop. 1, 2, 3. Ah, elle fait pas bon de vieillir, hein, je vous le dis, hein, les filles. Je vois rien en plus, ça m'énerve. 1, 2, 3, 4. C'est la partie la plus chiante, ça, je vous dirais, de faire les languettes. C'est vraiment la partie que je n'aime pas. Parce qu'après, il faut toutes les couper. Et quand vous voyez que vous devez couper des bandes de 4 mm, ouais, youpi! Je sais pas, celle-là, elle me paraît plus petite. J'ai pas fait 4 mm, hein, c'est pas possible. Ah non, j'en ai fait 3. Zut! Faut que je gomme les deux dernières. Et 1 mm près, ça foire le truc. Donc, allez, c'est rien. On va refaire. Ah, c'est pour ça. J'ai voulu essayer de les faire toutes en même temps, mais non. Vaut mieux que je calcule une par une. C'est mieux. Donc là, j'en ai alors 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. J'ai 10 petites bandelettes à faire. Alors, je vous rassure, je ne vais pas les recouvrir une par une, hein. Je vais d'abord les coller. Et après, vous verrez comment je colle. Donc là, je mets ma taille dedans, c'est pour me rappeler quelle languette va à quel endroit. Là, ce matin, je vous parlais d'action l'autre jour. Ce matin, je suis passée devant. Là, il n'y avait pas la queue aujourd'hui. Je crois que le plus gros du troupeau est passé. Mais bon, j'attends encore. Hein. De toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas de sous pour y aller. Donc, c'est très bien. Puis, j'ai pas besoin de choses en particulier. Peut-être 2-3 choses, mais pour la maison. Donc, mais vraiment rien d'urgent. Donc, du coup, comme il nous fallait 2-3 petites choses ce matin, au lieu d'aller à Action, ben, on est allé à Trafic. Là, il n'y avait personne. Juste qu'un trafic, c'est pas la première fois que ça m'arrive, il faut faire très attention au prix. Parce que souvent, il y a des prix en rayon, le prix est en promo, par exemple. Et quand vous arrivez en caisse, le prix en caisse n'est pas en promo. Donc c'est encore ce qui nous est arrivé ce matin pour des déodorants pour mon mari. Si je ne surveillais pas, quand il y a des promos, de toute façon je surveille, je surveille en caisse. Et si je ne surveillais pas, ben on aurait payé 1 euro plus cher que ce qu'il fallait. Voilà. Et surtout en ce moment. Hein. Faire bien attention parce que il va y avoir du roulage de prix en caisse pour rattraper ce qu'ils ont perdu. Mais bon, c'est pas à nous à payer ce qu'ils ont perdu. Hein, mais... C'est malheureux, hein, je sais. Hein, mais bon, c'est pas à nous à payer les pots cassés. Il y a l'État pour ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oh là là, que c'est long à faire ça. Mon Dieu, que c'est long. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, les filles. J'ai mon petit ventre qui gargouille, gouille. Voilà, on arrive au bout, Donc là, il m'en faut 2. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles des nouveaux kits hein, pour les concours. Ils arrivent à pied, hein, je crois. Ça m'énerve. Bah, c'est comme... Bon, c'est pareil. J'ai passé une commande le 8 mai à la maison du Canevas pour, vous savez, la broderie que je suis en train de faire. Que je suis en panne de fil et donc j'ai passé ma commande, donc je vous disais le 8 mai. Ils l'ont envoyé vendredi, donc vendredi on était quoi, ben, ils l'ont envoyé 8 jours après, donc ça fait 8 et 8, 16, donc ils l'ont envoyé le 15 ou le 16 mai. Ben, elle est toujours pas chez moi la commande, ça commence à m'énerver. Je sais pas ce qui se passe non plus chez eux. Pourtant, mais pour mettre 6 échevettes de... Comment ? 6 échevettes de fil dans un paquet. Hein. Alors, du coup, en attendant, ben, j'ai ressorti mon tricot. Celles qui sont sur Facebook l'ont peut-être vu. J'ai ressorti mon tricot que j'avais commencé avant l'hiver. Et là, bah, du coup, j'en suis à la... Déjà, la deuxième manche. Le dos est fait, le devant est fait. La première manche est faite. Et donc, je pense que la deuxième manche sera finie ce soir. Si ça va bien. Il me restera à faire le col et puis le montage. Je vous montrerai. Si vous voulez, hein. Si vous voulez pas le voir, je vous montre pas. Hein. Allez, encore 2. Là, c'est pas les plus grosses en plus. façon là je vais les couper avec mon petit cutter parce qu'avec le gros ça va pas aller, je verrai pas bien. Bon là j'ai pas besoin de marquer la taille dedans hein, ça se voit, c'est les plus petits. Oui, c'est ça, quand je fais une commode, et que, bon maintenant on me dit plus rien, hein, mais il y a fait un moment qu'on me disait que je faisais très cher, que j'étais une voleuse de faire très cher, de faire les prix que je faisais pour les commodes. Que, bah, vous voyez, vous, le boulot qu'il y a à faire. Donc je pense pas que je fasse mes prix très chers pour avec tout le boulot que ça donne. Alors attendez, je cherche mon fin cutter, je sais plus où je... Ah, il est là. Voilà, donc je vais faire avec celui-là, ça ira beaucoup mieux. Ma règle, elle est là. Bon, de toute façon, ceux qui parlent comme ça sont ceux qui ne connaissent pas le boulot. Là, pareil, pour couper, c'est un peu... Je prends dans l'autre sens, parce que ma règle, comme je vous avais dit, elle n'est plus droite. Elle s'use à force de couper. Comment c'est fin, voilà. Donc ça c'est la première. Et de deux. Là je parle moins, hein. Parce que je veux pas me tromper. Et de trois. Quelque chose sur ma table, mais je ne sais pas quoi. Et le 4. comme je vous disais un autre jour, il faut être précis, parce que si vous n'êtes pas précis, ben ça fout en l'air tout le montage. Voilà. Ça me fait 4, 5, 6 déjà. Je compte en même temps, comme ça je sais que si j'en ai oublié ou pas. Bon, ça a bougé. C'est pas bon. Faut que ça bouge. Ah zut. Mal à mon pouce avec mon cutter. Hier c'était au jardin. Là je me suis fait bobo là. Voilà. J'ai mis l'outil de jardin. Je ping en plein dans le doigt. Dans la main plutôt. Ah je vous jure. Je suis dégoûtée au jardin. Comme je vous ai expliqué l'autre jour, il y avait les chiens du voisin. Il y avait les chiens du voisin qui étaient venus dans mon jardin et m'ont abîmé des choses dans mon jardin, dont un arbre qui m'ont cassé. D'ailleurs là je l'ai Ah mince, je fais des bêtises. D'ailleurs j'ai déterré ce qui restait de l'arbre. Mais ils avaient touché également mes pieds de tomates. Et mes pieds de tomates, ben, heureusement j'en avais mis que 3. Et les pieds de tomates, ben, ils sont morts complètement. Ils n'ont pas repris. Et hier j'ai voulu aller voir au magasin pour en reprendre. Mais il n'y en avait plus. Si, ou alors des tomates cerises, mais ça m'intéresse pas. Alors, ben, j'aurais pas de tomates dans mon jardin. Et d'ailleurs, le voisin m'a toujours pas racheté un nouvel arbre. Il va falloir que je râle un petit peu. D'ailleurs, je vous mets là. J'avais oublié l'autre jour de vous mettre la vidéo. Et ben, je vous la mets maintenant pour que vous voyez les dégâts qu'ils m'ont fait dans mon jardin. Je m'en fous, là maintenant c'est les flics. Vas-y, piétine, à saloperie! Putain! Jean-Claude! Jean-Claude, les chiottes sont dans votre jardin! Ils piétinent tout! Ils viennent de tout piétiner chez moi! Voilà, vous avez vu, c'était sympa, hein, cette petite visite dans mon jardin. Eh oui. Bon, voilà. J'ai fini de couper mes languettes. Donc, j'ai bien mes 10 languettes. Donc, les deux petites que je ne perde, qu'il ne faut pas que je perde. Je vais mettre ma colle de ce côté ici. J'en ai pas besoin tout de suite de celle-là. Je vais plutôt prendre la colle scotch comme ça. Donc ça, elle va bien celle-là, elle est super, elle colle super bien. Alors celle-ci, alors si j'arrive à lire, tic, 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 en français si possible. Est-ce qu'ils ont mis en français? Je suis dans toutes les langues. Et même pas en français? Non, attendez. Grande-Bretagne... Oui, si, voilà. Ah bah ils mettent pas. Non, bah ils mettent pas. Donc ça c'est... Bon, cette colle-là, vous pouvez aussi l'utiliser en scrapbooking. Parce qu'elle n'a pas de solvant, vous voyez. Voilà. Il n'y a pas de solvant. En scrapbooking, il faut toujours utiliser de la colle sans solvant. Parce que si vous utilisez une colle où il y a du solvant dedans, ça va abîmer vos photos. Voilà. Donc il faut toujours utiliser de la colle où il n'y a pas de solvant. Donc quand vous choisissez une colle pour faire du scrapbook, du scrap, regardez bien qu'il n'y ait pas de solvant dedans. Parce qu'à la longue, vos photos vont s'abîmer. Voilà, un petit truc au passage. Une petite astuce. Aujourd'hui c'est cartonnage, mais je vous donne en même temps une astuce pour le scrap. Alors attendez, je vais remonter peut-être un petit peu le... Je me bagarre toujours avec mon... Voilà. Hop, pour que vous voyez un peu mieux. Alors celle-ci, c'est celle qui va aller là. Voilà. Donc je vais la mettre en premier. Donc je vais mettre de la colle comme ça, au moins je serai sûre que ça tient bien. Donc moi je l'ai acheté à Bureau Vallée, hein, mais je pense qu'on en trouve partout. Remettez bien le bouchon, parce que sinon ça coule. Ça sent un petit peu l'amande aussi, comme la Cléopâtre. Donc là, on va garder un petit peu les doigts dessus, pas longtemps, hein, mais... Le temps que ça colle. Voilà. Alors, la très grande, la voilà, c'est pour le bas. Donc, je vais mettre celle du bas. J'espère que vous voyez bien, mais là, bon, c'est un peu compliqué pour la prise de vue. J'essaye de ne pas faire de bruit, mais... Comme je frotte sur le carton, Donc là, pareil. Hein. Ah, ça ne va pas tenir. Voilà. Vous avez de la colle sur les doigts, le carton revient sur vos doigts. Ça dépasse un tout petit peu. Donc on va recouper. Si je trouve mon petit ciseau dans mon bordel. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est. Je vais prendre celui-là. Voilà. Ensuite, donc je pense que celui-là, il vient là. Je vais non. Ah non, c'est ceux des arêtes là. Donc 27,5. Je vais les mettre ensemble. Voilà, ça c'est les grandes arêtes. Ici. Bon, là pour l'instant en haut je mets rien parce que vous verrez, je mettrai du papier comme ça, de la cartonnette après, mais pas tout de suite. Ça colle sur les doigts. Voilà. Maintenant, de l'autre côté. Alors, je vérifie que je me suis pas trompée avant. Ça va. Alors, il faut toujours bien vérifier hein, avant de coller. Hein, parce que sinon, une fois que c'est collé, bah, c'est mort. Hein. Allez. Voilà. Maintenant, on va faire les arêtes des planchers. Ici, ici, ici. Voilà. Je sais, hein, il y a du tissu, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, on remet à notre tissu après. juste faire attention de ne pas faire couler de la colle à l'intérieur. Je vous montrerai ce que ça fait. Hein. Voilà, j'ai réfléchi pour mon rangement de base. Je pense que je vais le mettre sur la porte quand même. Mais je vais le mettre avec un système de cordelettes pour éviter de faire des trous dans la porte. Ce sera mieux que je l'ai tout de suite à côté de moi, de mon bureau, que de l'avoir à l'autre bout de la pièce. Je viens de m'apercevoir que la dentelle que j'ai collée hier, elle s'est décollée. Ça, c'est avec la chaleur, donc je ferai au pistolet à colle. Mais bon, c'est rien, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, la dernière, mais pour les grandes, voilà. Et maintenant, il me reste les deux petites, ici et ici, à faire. Cartonnage, c'est des travaux minutieux. Hein, quand on... Voilà, encore, c'est pas vraiment... Il y a des choses encore plus complexes à faire en cartonnage. Je sais qu'il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais alors là, vaut mieux pas que j'ai d'autres projets en cours. Bon, je verrai un jour, peut-être. Voilà. J'ai la tête qui tourne comme un moulin, mais c'est rien. Voilà. Alors voilà ce que ça fait. Et avec toutes les arêtes de poser. Alors, je suis en train de réfléchir si j'en mettais une en haut aussi, mais comme je vais remettre un cartonnage, une cartonnette en haut, non, je pense que j'ai pas besoin. Bon, j'ai pas besoin en haut. Donc voilà. Donc. là, il va falloir que je regarde le tissu. Alors, j'en avais deux tout à l'heure. Ah, voilà. Alors, je vais d'abord regarder lequel est plus petit. Je ne sais plus si c'est deux coupons pareils, je crois. Alors, comme ça. Et deuxième, et comment? Parce que j'aurais plutôt coupé le plus petit, mais... Ah, voilà, c'est les deux mêmes, donc ça va. Alors, ici, il va me falloir un morceau entier, presque. Donc ici, je vais couper, faire une marque, je vais couper. Voilà. J'ai mis mes grands ciseaux, moi. Ah, bah voilà, ils sont là. Ah, je vous jure. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Celui-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Rien qui est tombé, ne vous inquiétez pas, c'est un bout de carton qui est tombé. Donc ici, je n'ai pas besoin de tout. Juste faire... alors que je réfléchisse, oui. Comme ça. Non, je peux encore. J'essaie d'user le moins de tissu possible. Voilà. Moi j'en use, ben mieux c'est. Hein. Et avec ce morceau, grand morceau, ben, j'ai encore des choses à faire sur la commode. Donc voilà. Alors je vais couper le petit liseré blanc. Il ne me sert à rien. Et voilà. Et donc maintenant, voilà. On revient. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Ce serait ballot. Hein. Alors ici, celui-là, ce morceau, je vais d'abord le repasser hein, pour qu'il soit bien net. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai repassé mon bout de tissu parce que bon, ici, il faut quand même qu'il soit bien tendu. Des fois, je travaille sans le repasser, mais bon, moi, c'est une habitude. Hein, donc, quand vous n'êtes pas habitué, il vaut mieux repasser vos tissus. Donc maintenant, on va coller le morceau en entier. Voilà. Vous allez me dire, bah, et les tiroirs, vous allez voir après. Donc, pour l'instant, je vais nettoyer mon pinceau. Quand même que je nettoie mon pot d'eau parce qu'il y a plus de colle dans mon pot d'eau que de l'eau. Allez, alors ici je vais toujours utiliser la vinylique blanche, je la remontre encore une fois puisque c'est une nouvelle vidéo pour celles qui ne l'ont pas encore vue. J'utilise celle-là, la vinylique blanche, hein, la vinylique école de Cléopâtre, voilà. Donc là elle est en bidon d'un litre, d'habitude je prends des bidons de 2 litres. 2 litres ou 2 litres et demi, je ne sais plus, mais bon là en ce moment bah, avec le confinement tout ça j'en avais plus et puis je voulais pas commander par internet et puis on ne pouvait pas les chez Pick Quick, donc là en ce moment j'ai des bidons de 1 litre que j'ai chez mon revendeur de presse chez moi, donc bon c'est pareil, ça me suffit aussi, je fais avec, on s'adapte. Alors, je vais mettre de la colle bien partout, là où j'ai mis toutes les petites bandelettes. J'en mets pas sur les côtés pour l'instant, je ferai après. Pour l'instant, c'est sur les bandelettes que je mets. J'adore sentir cette colle. Elle sent trop bon. Elle sent l'amande. Ça rappelle quand on allait à l'école avec nos petits pots de colle blanche, vous vous rappelez, avec la petite spatule. J'aimais bien. Bon, elle se vend encore, hein, mais maintenant les enfants ils ne prennent plus ça hein, pour aller à l'école. Maintenant ils prennent les bâtons. Donc on en met bien partout. Voilà, je pense pas avoir oublié. Et maintenant, je prends mon tissu. Après, je vais bien tendre. Hein. C'est bien le tendre. Là, j'ai oublié d'en mettre un peu, je vais en mettre. Voilà, vous voyez, je suis bien tout recouvert. fait attention hein, quand on tend de ne pas tirer les cartons qu'on a mis. Et là, je vais coller les bords. Là, là. Non, je vais regarder que j'ai bien collé tout en haut avant. Bon, les franges, je vais les couper hein, après. Là. Si c'est pas droit, c'est rien, c'est pas un problème là. Après ça, on va plus le voir puisqu'on va recouvrir avec de la cartonnette et un autre tissu. Donc là, on s'embête pas. Et le dernier. Donc voilà, tu la colles même sur les bras. Oh. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous voyez ? Maintenant, le plus difficile, ça va être de couper le tissu oh, pardon, j'ai mon nez qui gratte. sans le déchirer. Voilà. Je colle d'abord les deux plus grands tiroirs. Oh, j'ai pas chat qui aboie dehors. Voilà. Et voilà. Alors, je vais déjà coller ces deux-là. Remettre comme ça pour que vous voyez. Yeah. Je vais mettre comme ça, désolé, parce que sinon moi je ne vois pas ce que je fais. Là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Voilà, premier de fil. Voilà le premier tiroir qui est fait. Donc, je vais faire le deuxième. Donc ça, ça va permettre de recouvrir toutes les arêtes, hein, bien sûr. Et en même temps, ça va faire, vous verrez quand on mettra l'autre tissu, ça va faire un petit liseré du coup bleu qui sera très joli sur la commode. Même s'il y a de la colle qui dépasse, il n'y a pas de souci, la colle en séchant devient transparente, donc ça ne fera pas de tache. Voilà, les deux premiers tiroirs sont faits. Et hop. Donc maintenant on va faire les trois autres. Donc là, de toute façon, avant de mettre l'autre tissu, il faudra que je laisse bien sécher. Une journée, hein, ça me suffit. C'est ça aussi, en cartonnage, il ne faut pas avoir peur de toujours... vous faites une pièce... toujours bien laisser sécher toutes vos pièces. Pour pas avoir de surprises. Ici, je fais d'abord à la main pour bien marquer l'arête. Qu'elle bouge pas surtout. Après, hop, j'y vais au pinceau. De l'autre côté, s'il y a besoin. Donc ici en dessous, il n'y aura pas de tissu, hein, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Il va y avoir du liège. pour éviter l'usure. Et le 2. Ce que j'aime bien, ces bleus là, c'est dommage qu'il va plus y en avoir. Et de ce côté-là, c'est déjà sec, hein, presque. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on ne fera que ça, que le tissu bleu. L'autre tissu, on le fera la prochaine fois. Voilà. Alors, le dernier dans le tiroir. Après, il restera les trois petits. Ça y est, je pète un plomb. Bon, pendant ce temps-là, Chouchou est en train de faire son Diamond Painting en bas. Il avance bien, il est déjà à sa deuxième ligne. Je verrai. Peut-être que demain, je le filmerai, s'il en fait, bien sûr. On a fini les grands tiroirs. Je commence à avoir mal à la tête en plus, mais ça c'est la colle, la longue de l'avoir sous le nez. Pourtant, comme j'ai dit, il n'y a pas de solvant ni rien, mais bon. Les grands tiroirs sont faits, et voilà. Maintenant, on va s'occuper des petits. Alors, les petits. Je cherche comment... Si je fais un croisillon, puisque c'est du carré. Je mets debout 2 secondes pour que je vois mon travail. Désolée si là vous n'allez pas trop voir. Juste pas longtemps. Voilà. Il fallait que je voie où j'étais. Voilà, allez, plus que 2. tout de suite couper les deux, comme ça c'est fait. Voilà, on arrive au bout, hein, les filles. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. C'est vrai qu'il y a des vidéos que c'est difficile de faire court. Je ne peux pas vous montrer ce genre de choses en une vidéo d'un quart d'heure. Hein. Je profite en même temps pour vous dire, ben la chaîne continue à monter. Je suis super contente. Depuis la dernière fois où je vous avais annoncé, donc il n'y a pas si longtemps que ça, les 3500 abonnés. Ce matin, on était à 3560 abonnés. Voilà. Donc je suis super contente. Ça fait plaisir. Moi, je ne suis pas toutes ces vidéos dans le vide. Bon, je les fais aussi pour mon plaisir, hein, déjà. Mais je les fais surtout pour vous. Donc, ça prouve que vous aimez. Bon, en plus, ce week-end, j'ai rattrapé tous mes commentaires en retard. Je suis désolée, hein, les filles, d'avoir était un peu plus longue que d'habitude pour vous, mais là normalement j'ai rattrapé mon retard pour tout le monde, donc je vous ai répondu à toutes individuellement comme je fais d'habitude, hein. J'y tiens à chaque fois, même si c'est juste pour marquer, vous remarquez, hein, des fois je ne marque juste bonjour, merci beaucoup, gros bisous, mais au moins ça vous prouve à vous que je suis passée voir votre commentaire, et moi ça me fait plaisir de l'avoir lu, voilà, et de vous avoir répondu, même que ça, même qu'un petit bonjour, un petit merci. Je pense que ça doit vous faire plaisir également de voir que j'ai lu vos commentaires. Voilà. Donc, si par contre vous passez par là, vous regardez, vous êtes en train de regarder ma vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné, alors on y va vite, on court, s'abonner, hein. Il y a le petit carré marqué, rouge marqué s'abonner. Vous cliquez dessus et vous n'oubliez pas en même temps de cliquer sur la petite cloche. Et vous cliquez sur toutes. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de la chaîne. Donc toutes les nouvelles vidéos ou tous les messages que je mets dans la communauté également. Voilà. En cliquant sur la cloche, vous recevez toute l'actualité de ma chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. Surtout les concours. Très important, les concours. Voilà. Allez, ça y est. Dernier coup de pinceau pour aujourd'hui. Je vais vérifier que tout va bien. Je suis quand même un petit peu là où j'en ai vraiment mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave, hein, comme je vous ai dit, de toute façon, Là où il y a de la colle, ça va se devenir transparent. Ça c'est pareil, ça ne se verra plus, puisque de toute façon après je vais y coller de la cartonnette. Donc voilà le travail d'aujourd'hui, je vous montre. Voilà, donc on a gainé toute la façade de la commode. Voilà, donc la prochaine fois on va gainer les côtés, l'arrière, il restera ça à gainer, hein, les deux côtés, l'arrière de la commode, le dessous non, hein, je vous rappelle, puisque ça je vais mettre du liège et ce sera la toute dernière, ce sera la toute dernière chose que je ferai. Voilà, et donc la prochaine fois on va attaquer avec le tissu noir. Voilà, elle commence à bien prendre forme, elle est jolie, j'aime bien. Le tissu bleu, et je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, la colle va sécher, hein. Vous verrez la prochaine fois, de toute façon, on ne verra plus de traces de colle. Tout sera devenu incolore. Là, elle commence déjà à être sèche, de toute façon. Ça sèche très très vite. Alors, je la colle partout, par contre. Voilà. Allez, je vais vous remonter un petit peu pour que vous voyez ma tête. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, tout le gainage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Là on va se retrouver la prochaine fois. Bon, je sais pas si je la fais demain ou après-demain. Ah non, demain non, demain ça va être hard, parce que demain matin déjà je dois aller à la mairie de chez moi, parce que demain, pour mon quartier à moi, puisque c'est par quartier, la mairie nous distribue des masques. Voilà, donc je dois aller demain matin à la mairie. Il fallait s'inscrire, hein, pour obtenir les masques, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc là notre mairie va nous offrir, dans un premier temps, ils vont nous offrir 5 masques jetables, des masques chirurgicaux, et un masque lavable. Voilà, hop, 1, 2, 3. On les a déjà vus, donc en vidéo. J'ai mis la vidéo hier justement sur mon mur. Et on aura d'ici peut-être une semaine ou 15 jours, je ne sais pas, hein, ça dépend quand est-ce qu'ils vont les recevoir, on va avoir un deuxième masque jetable. Alors peut-être qu'ils vont nous donner un masque jetable, pardon, un deuxième masque lavable, voilà, donc réutilisable, qui sera offert par la région, donc la région des Hauts-de-France. Là c'est la mairie qui nous offre demain. Donc peut-être qu'en même temps on aura encore des masques jetables en même temps. Donc là nous on a le droit donc à 5 masques jetables par personne et 2 masques lavables par personne. Donc en tout, pour l'instant ça nous fait 10 masques jetables pour nous, hein, pour moi et Chouchou. On va avoir 10 masques jetables et 2 lavables demain, et on aura encore 2 lavables une prochaine fois. Voilà, donc c'est sympa, et la mairie nous donne des jetables en plus parce qu'ils n'ont pas eu à temps ceux de la région, donc ils nous offrent des masques supplémentaires de leur denier en plus. Voilà, on a un bon maire. Voilà, il est très jeune, hein, il a 30 ans. Et il vient d'être réélu, ben là, quand il y a eu les élections au mois de mars, voilà, donc on l'a réélu, et bon, il fait pas beaucoup de choses pour la ville, voilà. Bon, il y en a qui l'aiment pas, hein, mais bon, ça c'est comme partout, hein. Moi je l'aime bien, voilà. Mais je fais pas de politique, hein, pas du tout. De toute façon, je sais même pas si, je crois qu'il est sans étiquette, de toute façon notre maire, ouais, je crois qu'il a pas d'étiquette. Voilà. Bon, c'était juste une petite aparté pour vous dire que demain, j'aurai peut-être pas beaucoup de temps. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais aller me décoller les petites patouilles qui sont pleines de colle. Ouh là 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 là. Bon, un peu sous l'eau chaude et puis hop, c'est parti. En même temps, je vais laver mes pinceaux parce que là, regardez mon eau. C'est plus de l'eau, c'est de la colle. On se retrouve donc rapidement. Bon, je pense peut-être jeudi, je ferai la vidéo. Là, aujourd'hui, on est mardi. Hein, donc, jour où je tourne la vidéo. Et puis, donc, je ferai peut-être un tournage jeudi. Je verrai. Ah, ben voilà, ça y est, j'ai baillé. Il y avait longtemps. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, je vous fais des gros bisous. Soyez sages, pas de bêtises. Je vous surveille d'un œil. Et je vous surveille. Non, mais je sais que vous êtes des personnes responsables et que vous faites attention. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Allez, gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous.